lancé.是相对有类似的一点，但是这次放出来的嘛，肯定会有一些战术上面的一个改变。是的，至少我们肯定是想在Et NA Moon, 当中allez, 想尝试c'est 一下。parti. 那么我们。Tac. Tac. Hop. Prêt à travailler. Travail terminé. Travail terminé. Travail terminé. Voilà. Prêt à Et c'est parti travailler. pour la finale du Winner Bracket, les playoffs, la Winners finale. Donc là, on a TH en bleu en haut à droite et Moon en rouge en bas à gauche. Donc là, on va lancer l'aggro. Oh, le filet, dommage. Ouf, c'est bon. Le train qui est arrivé juste à temps pour mettre le coup pour reprendre l'aggro sur les unités. Voilà, qu'est-ce qu'on va récupérer? Brigade de vol de mana, très bien. Tietch qui lui de son côté ne perd pas de temps. On va vite lancer une B2. On va ramener bien les miliciens pour faire un maximum de dégâts. Bien sûr, Rend le gros golem. Et il va récupérer une rive d'attaque. On continue à faire les paysans. Donc là, il va pas passer de charge de direct. Hein. Il va plutôt lancer sa B2. Joueurs sont attaqués. Donc là, la B2, je sais pas combien ça coûte une B2. Je crois que c'est pareil. Je crois que c'est 320, 300, même 340 et quelques. Allez, Moon qui va venir check. C'est une B2. La B2 est lancée. Il a l'info. Une ville B2 est assiégée. Plus tourelle. Les forces d'un joueur sont oh, attaquées. Oh, le chasseur. Un deuxième ancien. Ouh. Ok, Moon qui part sur masse chasseresse. Très bien, il va passer sur mousse, passe sur ma chasseresse avec je pense ancien protecteur. Une ville est assiégée. Mais par contre c'est du all-in. Hein. C'est du all-in, là pas, il faut pas qu'il se rate. Hein. Donc là, il est level 2, il est venu harasser. On va essayer de cancel la série, on a récupéré un kill sur un péon. Les forces d'un joueur sont attaquées. Ok, chasseresse d'un côté. On est venu attaquer la B2. Donc là on a juste une tour des arcanes. C'est pas une tour de guet. Ok, l'ancien protecteur qui est vu. C'est cancel. Là allez, hop, on continue à auto-attaque le keeper. Le keeper qui a aussi vol de mana sur l'archimage. Le servant sur un fantasin. Fantasin qui est tué par Tietch pour éviter que l'XP aille sur le keeper. On défend bien. On continue à faire des chasseresses. Les forces d'un joueur sont attaquées. Ville est assiégée. On est toujours pas passé le level 2. Donc on attaque d'un côté, on retombe de l'autre. Faut qu'il fasse gaffe Moon hein, parce que. Faut qu'il garde au moins du mana pour faire des triangles qui aussi se fait bloquer hein, par les unités de TH. Donc là il est bloqué. Donc là à mon avis c'est le TP. Une ville est assiégée. Ok, pendant ce temps, on a d'autres unités qui sont venues attaquer la B2. Allez, la deuxième tour qui tombe. On fait les dégâts sur les paysans, on se retourne, on gère bien là donc là l'embuscade. Tietch qui essaie de défendre, il défend même très bien. Les monteurs d'eau qui est lâché.
Par contre, TH, il a pas de poudre d'apparition. Une ville est assiégée. Faudrait qu'il en fasse, faudrait qu'il aille en acheter une à la boutique. Hein. Vu qu'il a pas de shop. On refait le tour. Ah, cette fois, TH fait sa tour de guet en espérant qu'elle survive. On en a eu une ici. On passe tier 2. Donc là, ça a commencé à devenir compliqué. Hein. Un humain avec une B2 et qui passe tier 2, tu sais que dans pas longtemps, tu vas être dans la merde. Allez, chasseresse qui arrive. Donc là, TH qui recule un maximum pour rester. Pour que le monde soit à portée de ses tourelles. Là on a masse chasseresse. Donc là on ramène les wisps hein, pour faire la détonation sur les lamentaires. Donc là en tempo. Les missiles qui arrivent, mais c'est vu. Donc là on repositionne les tréants. Là on va continuer à les chase, partage le en deux groupes. Il y a l'ancien protecteur, celui-là il est vu, le servant, le circle, LTP. Et on a ramené un lanceur de glaive. Ok, on est sur deux anciens protecteurs. Allez, c'est parti, on fait des dégâts. Et on passe level 4, donc là on a le tréant level 4, le servant level 4. On a perdu une chasseresse. Ça défend. Les forces d'un joueur sont attaquées. Est-ce qu'il va faire d'autres. Une ville est assiégée. Ok, il fait d'autres glaives. On relance les tréants. Juste voir vite fait. Ok, on a réussi à faire une. Un shop, donc là TH qui revient vite pour défendre sa B2. Le deuxième ancien qui est fini, donc là on essaie de mettre des dégâts sur le keeper qui recule. Les forces d'un joueur sont donc on a toujours la tour d'arcane qui fait des dégâts sur l'ancien. On a ramené les feux follets pour soigner et on continue d'attaquer parce que là on a les lanceurs de glaive, mais il y en a d'autres qui arrivent. Une ville est assiégée. On en a même deux. On regroupe ces unités pour sauver la B2. Bon, le souci c'est qu'on a plus trop de chasseresses, donc il faudra faire attention. Allez, on focus les lanceurs de glaive. Ah, il faut les défendre, essayer de les micro. Micro ici. On micro en bas. C'est bon, on a réussi à sauver son lanceur de glaive. Oh, vous n'allez pas le tuer. Ok, un lanceur de glaive qui est tombé. Bon, en tout cas, on n'a plus de B2. Une ville est assiégée. Donc pour l'instant, ça a marché. Par contre, j'ai pas vu ce qu'il a lancé l'amélioration des lanceurs de glaive. Oui. Il a fait le niveau 1, le level 2. Ok, on s'est lancé des merveilles. Ça, level 1, level 2. Le level 1, level 1, pardon. Le marteau sur le keeper. Le serment. Est-ce qu'il va serment le nard, bien sûr. Allez. On fait des dégâts. Un focus, donc là on a plus rien, on a rasé la B2 de TH. Alors sur quoi on va partir? Arcane Sanctum, une forge, donc là ça va être fusillé, donc là c'est bon, l'all-in de Moon a très bien fonctionné. Par contre il est, on va dire qu'il est en retard au niveau technologique. Donc est-ce qu'il va lancer son tier 2 après après avoir refait des feux follets? Parce que
on est toujours sur, sur deux anciens. Attention à la chasseresse. Hein. Bon là voilà, on va le terminer. Ok, on n'a pas lancé de tir 2 pour l'instant. On continue à faire des chasseresses. Donc là, TH qui va refaire une B2 je pense. On a les prêtres. Comment il n'est pas parti soigner ses unités, c'est dommage. Ok, le serment, le circle sur le sur l'archimage. Oh, what the fuck, l'archimage qui tombe. Le serment nouveau sur le nain. Et le nain qui tombe. What the fuck? Oh mais il lui a mis la... Moon lui a mis la bite là. Parce que là, là, le petit milicien là, c'est qu'il veut venir récupérer un héros là. Les forces d'un joueur sont attaquées. Donc là c'est vu. Le cancel. Ok, on a un seul fusillé. Ok, on a normalement le nain niveau 1 qui est sorti. Bah c'est normal, parce que c'est un héros de level 1, donc du coup... C'est facile de le faire ressusciter. Donc là, on a sonné la cloche. Les forces d'un joueur sont attaquées. Au 7 tempo maximum. Ouais, on a réussi à récupérer l'archimage. Ah dommage, le serment qui est pas passé. On a réussi à se téléporter. On a pris une potion d'invulnérabilité. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant, Moon? Parce que là, on est toujours tier 1. L'autre en face, il est tier 2. Ouais, ok. Donc il avait ramené les Whispers pour faire une détonation sur... les prêtres et les sorcières. Et hop là. On a perdu du mana. On ramène les miliciens. Ok, on a claqué une potion. Là, le parchemin de soins. Donc la micro hein, sur les chasseresses. Hein. L'embuscade. Les forces d'un joueur sont attaquées. Lanceur de glaive. Ok, on a plus de lanceur de glaive. Le serment sur le nain. On va lui filer la potion d'invulnérabilité. Oh non! Le level 6! Ah punaise, je crois qu'il pouvait pas lui passer. En fait, ouais, Moon avait bloqué le nain avec ses unités en l'entourant. Du coup, l'archimage n'avait pas la portée pour lui filer la potion d'invulnérabilité. Ok. Ok, plus de chop. Le nain qui arrive, le nain toujours level 1. Ok, chasseresse. Toujours tier 1. Donc le keeper hein, qui est level 6. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Continue à faire les chasseresses. C'est vu, Moon n'arrive pas derrière, donc là on est obligé de back. Le ralentissement. La micro, l'embuscade. Bon par contre ce qui me fait peur c'est que... Ça pas, je pense pas que ça va durer. Hein. Parce qu'on est quand même tier 2 sur TH. Ok. Donc on a utilisé la jumelle avec grâce au fusillé. On fait l'arcane sanctum. Enfin, c'est la salle des arcanes. L'arcane sanctum, c'est
c'est le bâtiment des prêtres et des chasseresses, le serment, le TP post-repositionné juste à côté. Ah, le nain qui est passé level 2. Allez, on focus. Ok. Je vais claquer la potion d'invulnérabilité. Non, la parchemin de soins. On recule. Ah bah oui, forcément. Oh, les tréants. Ah papa, même si on a masse... Même si on a ma chasseresse en face, c'est une unité tier 2, hein, ça va pas le faire, je pense. Peut-être claquer le. Ok. Le stun. Et victoire de TH. Oh, dommage. Aïe aïe aïe. Oh non. Ah ouais, je l'avais dit. Hein. Je l'avais dit, ça pouvait pas durer. C'était bien, il a réussi à cancel la B2, c'est ce qu'il fallait faire, mais après il fallait arrêter de produire des chasseresses et passer sur je sais pas moi des dryades, des géants, des druides d'ours, même une B2. Parce que ouais, le tier 2 humain, enfin tier 2 contre tier 1. Ça gagne jamais sur le long terme. Donc 1-0 pour TH. 大法师的买活是成为了胜负的关键。关键还是真正的科技含量是在于BS什么时候好和这个女巫的成型数量，而玲玲是真正的做到了这一点，所以的话，最终地板加减速和。 枪兵的骑射是形成了一个非常不容易的反派。是的，这盘的话又是一个堪称皇冠局了，感觉中期，我觉得有两次或者三次，林林林或者说一个正常人中选手可能都会打出积极的情况之下，他坚持下兵且还翻盘。如果是反观木这边的话，你很难说他哪里打得不好，但是也许他太投机了，太独步对长线之后，如果他要是在中期占了优势的时候，可能去开瓶矿或者是提一下本。 也许在后期的时候，就是面对大量的，啊，谁不去？的时候可能会没有这么吃力。我觉得稍微松了一点，就是他其实中期有一次机会是可以把部队开在对方的那个家门口的，就是在 BP 已经分矿已经完全失去主动权的时候，莫文回家，然后中路是等了一块，就那个点，如果说他直接把部队开在零零主矿，比方说拆掉他的祭坛，然后或者是那样。 打掉他的商店等等等等，他 BS 那个时候甚至都没有造，所以他当时只是一个有二本、有二英雄的一个人组，而并不是有二火枪、有女巫的一个阵容。是的，所以我觉得就是说稍微松了那么一下，然后导致零零零是形成了一个翻盘，就这种局真的是有很多人是会在中间放弃，尤其是两英雄全倒那个阶段，就是真的很多人是会考虑放弃的，因为当时那种情况。 翻盘的概率确实不高，确实是，就是对方还是一个六级的 QOG， 而这边的话，可能是一个三一的英雄，还是四一的英雄，觉得即使英雄复活出来的话，正面手下来的概率也还是非常低的。但是零零还是对局势啊有一个更加清晰的判断，比较了解暗夜精灵，也可能是因为他自己拿暗夜精灵打人族打的也比较多，就是比较洞悉这个种族对抗它的强势和劣势究竟在哪里。 那我们也是等待一下双方选手进行第二盘比赛地图的选择。那如果是 Moon 选的话，那应该是考虑 CH 的。就零零选的话，应该只有 EI 可以选。那么，刚才还有一点 Moon 加飞了，加飞奥运加 fonctionné au début mais après，因为当时他是已经拖了很久了，拖了很久之后，然后完成之后呢，发现自己情况不对了。 小精灵拖上来爆完，然后零零一张吼叫贴上，那个时候是最难受的，因为你小精灵已经全死光了，然后还造成了一个这样的一个状态，直接是被集火师给打翻车。那么就是在下一张，他可能会选一张不是那么好开矿的地图去跟零零对抗，看看对人族是否能够在 CH 上面能够有一个好的表现，我觉得也是值得关注的。这场的话，其实。
因为之前好像 NI 这张地图打的比较少嘛，然后看一下木的表演的话，还是会觉得他在这张地图上很倾向于使用他之前采用的那套打法。就是如果对面不是 MK 火枪这种打法的 Ok, 话，我donc 还là, 是mon avis, 用一本entre 兵的 là et rush là, 会效果会比较du 好。coup, le loser va这个其 affronter 实你可 le 当你 finaliste 看到一个后期型的选 de 手开始使用 rush 的时候，就说明他在对这个对 et 抗 quand 当 ça fera la 中后 grande 期 finale, 打法他已经是 et du 三成。所以他才会选择用一些 rush 型的打法来这个去 coup, 做对抗，l'ascension, donc 而不是说 c'est 他觉得这个打法是可就特别好用的，我 focus 觉得是这 contre 样 le 的，因为 life, 他的之前后期有输了太 ensuite 多把，t'auras le 所以他觉 gagnant 得 rush 的胜率是 de 会 là 高于三 contre 成 là, 甚至更高一些。ensuite 那然后呢？那 là, 怎么打？然后当然小组赛的比赛肯定也是 ah, c'est bon, finale de chez finale là, 打得有点 après 得了，我感觉。反正其实我在想那个，比如说暗夜精灵打人桌Après, c'est pas 挂encore fini, c'est même si Moon 这样 perd, 就是因为你 c'est pas 会 fini, hein, parce qu'il aura encore une chance de revenir 不会 ici 再放这种图，en 之前的话 gagnant 已经 contre 有人放出来过这种图，le finaliste de l'Oliette contre Infi. Au cas où, c'est pas ce que je lui souhaite, mais voilà. Il y a toujours une solution de repli. Donc, 像现在你看一些就是大型的地图，就是 TS、TM 这种图，应该说上班位的概率是最高的。然后呢，就是剩下的就是一些就是地形图，就比方说是亚马逊这种图，就是也会上班位。然后 LR 呢，就是一个属性图了，就包括说是这个开矿的一个节奏，包括去 MK 的一个空间等等等等。所以现在班图的话，你可以看到选手的目的性都是可以从图上面是可以讲得出来的。Alors, ça peut bientôt commencer. 图好像在这个比赛当中已经变得越来越少了，就是两人图的可能性是很大的，就是基本上现在剩下来的三张地图，多数都是两人图 ，TM 都很少在最后的地方很少上来。就当然跟图库有关系，现在我们的图库就没有第二张两人图了。哦，第二张四人图了，就第二张四人图是已经没有了，所以曾经还有一张 TR 是可以选的，而且 TR 也是一张多矿图。是。然后现在的话呢，图库是回归到了一个六张两人图。其实从前有一些三人图是不错的，就是三人图有一个最大的好。群岛。对，就三人图有个最大的好处就是你必须要侦查，但是点位一定是。哎 ，merci de l'équipe pour pour le follow。第一时间能探到对方的开局，但是你又必须要去侦查。Ça fait plaisir。这个原图我觉得是比较好，但那个图呢，确实有一定。Pour la passion。对。但是，就是说这种设计的一个方式呢，是可以值得去考虑的，因为就现在的话，两人图是带来了很多一些。Donc là, on a un zéro moon contre TH。我就可以连点位都不去看，反正你就是那个点位。如果要是一个比较确定的对抗的话，我可能连开局也不用侦查。对，就现在兽族是最明显的一个代表，就是除了 TM 之外，其他的我就死活不探路了。反正探到了也没什么用，反正我开局我玩我的，你玩你的。到中期我们再发生一些变化，这个是这样的。但是，如果说是三人图的话，就是战术上面的变化不大，但是点位上的选这个细节上可能会有。Donc les deux se mettent en place。还是会带来一个侦查上的成本和一些这个设置上的话，不像双人图，你只要要么就完全对称，对吧？要么就你就搞点什么小小的一些小地形上面的彩蛋什么的，我觉得也挺好的。是的，想想的话，沃三早期比赛的时候，像 GW 这种地图还是上过比赛，这种六人图，就很有可能你的这个英雄都出来了，还没有探到对方在哪。GW 还有一个随机水泉的一个问题。对。它这个水泉还是随机的，就有的时候是会影响到这个水泉的一个关系，而且 GW 还有一个问题就是有的时候会有一些版本上面的不同。有个版就是老版本是没有酒馆的，新版本是有酒馆的。对，酒馆的。对，然后 GW 其实以前作为 solo 地图是比较好，从二地图点特别多。对，它二地图的话点特别少，所以 solo 地图确实一张六人图，如果说有类似设计的概念的，我觉得是也不错。但是，现在 GW 我觉得想回归到当前的。就环境当中啊，也是一张有点难，就是非班必选的图，就是你要么大部分情况，我觉得大部分种族都会搬掉它。对，其实就是它跟现在其他的地图的节奏就特别不一样，因为其他地图的话，它会就是比如说什么时候练级，什么时候压制这些很确定，但是如果你在 GW 上想玩捉猫猫躲迷藏的话，很难有人能找到你，
一个剑圣去哪里了，或者是 QG 去哪里野了，这个跟不上就是跟不上了。嗯，而且的问题就是还有随机性的问题嘛，他的这个井水、嗯、泉水的一个问题。对，保不齐说你想要生命泉，然后他来个魔泉，然后对对方就是有优势的。所以现在选手选择也是会降。Attends, je me trompe pas. Tac, allez, c'est parti. Allez, la deuxième game. Moon contre TH sur Conceal. Prêt à travailler, travail terminé. Travail terminé. Prêt à travailler. Tac, ok. Prêt à l'action. Les forces d'un joueur sont attaquées. Donc TH en haut à droite, Moon en bas à gauche. Donc là on a bien lancé le triant, le keeper, l'archivage. Ok, les miliciens, on va faire le camp de creep ici, de chaque côté. Donc là, oh, Moon qui récupère un diadème de noblesse. Cool. Et là, une griffe d'attaque plus 6. Ah, mais c'est un truc de fou, Tchash, il récupère tout le temps les griffes d'attaque. Plus 2 de partout. Les forces d'un joueur sont attaquées. Une ville est assiégée. Alors, on va faire les crabes. Ok, plus de lune. Donc là, on a ramené les triants. On va essayer de gratter. Allez, notre attaque sur l'archimage. Dommage, ton attaque n'a pas fonctionné sur le triant pour le deny. Les forces d'un joueur sont attaquées. Le level 2. Ok, on a fait chasseresse. Et on passe tier 2. Donc là on va laisser le fantasin, le footman. Ah, ça va suffire à le tuer. Le tome. Oh, le tome d'expérience. Oh, Moon qui l'a bloqué. Moon qui bloque à l'accès du tome d'expérience à ses unités. TH fait pareil. Bah, c'est important. Faut qu'il le prenne. Ah, il est triant. Ça bloque, ça. Ouh là là, la micro. Ah, trop tard. Ah, c'est TH qui a récupéré le tome. Et Moon qui se retrouve coincé et force le TB. Oh, le fight pour ce tome d'expérience. Oh, la micro. Au final, c'est TH qui a gagné. Ah, dommage parce que là, le tome aurait permis à Moon de passer level 2. Ça est toujours level 1. TH qui est en train de passer son tier 2. On est en train de faire les fusillés. Enfin, le tier 2, là, il est du scout. S'il n'y a pas de fantassin, de footman. Les forces d'un continue à faire la chasseresse. Le nain, c'est le nain. Ok, l'arcane sanctum pour les sorcières et les prêtres. Les
Allez, le sermon sur le fusillet, on va essayer de le récupérer. L'alchimiste. Ah, la chasseresse. Du coup, on passe level 3. Donc là, on tue le nain. Mute avec l'expérience. Allez, sur l'ennemi. Fantasin. Il y a pas mal de dégâts sur le sur l'alchimiste. On va essayer de mettre. On va le tuer. Voilà. Ok. Ça, je préfère. Ancien du savoir. Donc là, on va venir à la fontaine pour se soigner. La B2. Ultravision. Donc là, il faut voler, on a l'info. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire? Ah, c'est Bolzy, hein, ce qui fait Moon. On va perdre des unités bêtement comme ça. On récupère un fusillé, un élémentaire, le marteau sur la chasseresse. Ah, c'est bizarre ce qui. Moi je disais, ouais, j'y serais pas allé. Ok, l'immersion de la portée des fusillés. On augmente l'attaque des mortiers des fusillés. Les prêtres. Les forces. Donc là pour l'instant, le build de standard humain. Donc là on lance les dryades. Masse dryade. Un crit sur un kill sur footman. Donc là, aider de l'ancien. Peut-être récupérer un découpeur gobelin. Ok, il sait que c'est une illusion. TH qui fait pareil. Level 2 sur le nain. Alors, est-ce qu'il va prendre le smash ou l'assommoir? Une ville est assiégée. Potion de la vulnérabilité. Oh, mais il a que des objets insane, TH. Ah, ok, non, bon, j'ai rien dit. Il y a la même chose de l'autre côté. Level 2, level 3. Ok. L'assommoir. Ok, fusillé. Les joueurs sont attaqués. Donc là, on va récupérer. Qu'est-ce qu'on va récupérer aussi comme objet? Jungle d'endurance. Chef Toine qui est là. D'accord, allez, on a pris la B2 pour Moon. Les forces fusillés, d'un joueur sont attaqués. Prêtre. Moon continue à faire masse chasseresse. Est-ce qu'il est en train d'améliorer l'attaque et la défense? Ok, il a déjà amélioré l'attaque, une il est en train d'améliorer la défense. Contre les fusillés, c'est mieux. On va essayer de préparer une B2, hein. Ça a été cancel. ATH qui est sur la B2 de Moon. Donc là on essaye de la sauver, de former ses unités là, c'est important. Allez, on lance l'être créant. Vite, on met un deuxième peu folé. Tous les dégâts sur l'alchimiste, on recule. Ok, c'est bon. La potion de la vulnérabilité. Attention, on n'a pas de. On n'a pas de bâton de préservation. Ok, on kill. Attention à l'alchimiste. Attention à l'alchimiste. L'alchimiste qui s'est pris un marteau dans la tête. Bleh. Puis il est passé level 3. Aïe. Trop de dégâts.
4 dégâts sur les fusillés, pas assez de tankiness. Ah, c'est pas grave. Le marteau, l'assommoir, le serment et le kill. DJ. Aïe aïe aïe. Oh, insane, Tamou, il s'est fait défoncer. Oh putain. Altash, il lui a roulé dessus. Oh. Tac. 2-0. Terminé. Donc là, Moon va se retrouve ici en loser final. Et lui, tant qu'à TH. Il est direct qualifié pour les grandes finales. Easy peasy. Donc, pour la winner finale, c'est terminé.